Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue sur HPM. Moi, c'est Abner Jelin. Nous allons parler d'un sujet qui est un peu difficile. Et c'est un sujet qui est gros. C'est impossible pour nous être capable de faire tout ça qui voulait dire dans ce sujet, dans ce bout de temps que nous allons passer avec nous là. Même pour mettre nous, de temps en temps, nous allons manger Timo sous la dent jusqu'à ce que nous venions gagner plus d'informations de lui-même. Mais l'important pour nous connaître lui, et spécialement dans le moment ça, à côté que nous avons parlé de liberté des Noirs et racisme aux États-Unis. Dans semaine ça, toute semaine ça, et démocrates et républicains, surtout les démocrates, ils ont poussé un agenda pour qu'ils soient capables de réformer corps police là. Et idéo c'est permettre à ce que police là vienne une police qui pas gagner et raciste là-dedans. Elle dit que les gens noirs, je traite noir avec tout respect tant qu'on humain. Je pas garder sous couleur corps police et mon nom mais regarder sous action li pour être capable de juger ou bien deal avec lui. Alors, plusieurs monde ont plusieurs idées qui gens qui veulent faire. On sait des groupes mandé pour complètement éliminer corps police là pour créer un autre corps. Il y a l'autre qui dit bon, ça pour nous faire c'est pour nous faire éducation, rééduquer police là. En plus monde dit que non, c'est pour nous créer une relation côté que police là plus interact avec civils et surtout dans quartier minorité là avec noyo et pour que et système n'a qu'à changer. En plus, on dit bon non, c'est pour nous mettre plus noir dans le corps police là. Maintenant, et tout ça maintenant aussi, m'a coûté un pile interview qu'a fait, m'a coûté les leaders qui a posé question, qui a répondu question. Et chaque n'a même où est bien ça qui relie yon, yon fait un pile, yon prend un pile précaution pour pas répéter un série de bagailles. Ou bien pour pas accepter une série d'idées, ou bien endosser une série d'idées. Ça, c'est non, moi. Pour pas endosser une série d'idées. Par exemple, je demande au président Trump, est-ce que lui croit que gagne un systémique racisme? Systémique racisme, est-ce que gagne la police, la corps police là? Il dit non, pas gagne. Il dit que 99,9% de police n'est pas raciste. C'est quelques grains bad apple qui gagnent dans la police là. Ça c'est Trump. Je demande William Barr qui est premier police aux États-Unis, il c'est chef premier police. Je demande est-ce qu'il croit gain systémique racisme dans police là, il dit non, pas quoi ça du tout. Il dit la majorité police là, ce sont des gens honorables, des Américains qui fait travail avec honneur. Il n'y a pas quoi qu'il gagne un systémique racisme dans le corps police là. Il a demandé plusieurs autres monde dans le gouvernement Trump là, il a tout dit même bagaille, il a répété même moyo et je suis sûr qu'il était chita ensemble font réunion et il a dit bon nous connaît qu'il va poser une question ça mais j'en vous répondre. Mais souvent des démocrates est-ce qu'il croit qu'il y a un systémique racisme là oui et souvent non noir là oui. Mais on nous pose une question. Il y a deux bagages qui arrivent là. Comment on peut faire guérir une maladie si on ne connaît pas ça? Comment on peut demander au monde pour les deux ranger un problème si lui-même personnellement, il n'est pas même connu pour l'en exister? C'est impossible. Le président Trump, il a le pouvoir pour faire un changement dans la relation aux États-Unis. Mais l'administration n'a pas eu un problème. Et blanc lui-même personnellement, si tu parles avec blanc, blanc pas ouais un problème. Blanc dit pas quoi qu'il gagne un problème raciste aux États-Unis. Il y a quelques monde qui raciste mais en majorité pas gagne raciste dans le pays. Mais pour qui ça que les noirs quoi qu'il gagne racisme. Et pour qui ça nous ouais gagne évidence qui prouve que gagne. Eh bien les toutes les nan ça qui nous relait systémique
racism. Ça veut dire que dans le système nan même qui crée le système nan, il bâti avec racisme là-dedans. Et le plus souvent, même moun sa k'ap exécuté agenda raciste là, pas même connait. C'était ça qui a fait. C'est ça qui fait le drôle là. Mais moun sa k'ap fait action yo, oui. Yo gen pas même connait que yon un système raciste. Li pa un secret que soit chercher des data, soit chercher connait on série de bagay, ou a voir que yo montre que noir lui-même li na prison plus parce que tout l'autre peuple aux États-Unis. Malgré que noir lui-même li fait li gon ti majorité pas li pas en pile aux États-Unis parce que blanc plus. Mais il y a plus noir en prison que blanc. Alors le plus souvent ça on faut comprendre, il faut comprendre que noir il fait plus crime que blanc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? En 1865, les États-Unis passaient ce que nous appelons le 13e amendement, the 13th amendment. Loi ça lui-même, qui ça qu'il fait? Il est devenu pour abolir l'esclavage sous terre des États-Unis. Esclavage devenu un bagage qui est illégal dans le pays des États-Unis, ou pas acheter ni vendre monde ni gagner esclave la caillou qui travaille pour son papier. Ça l'est aboli. La servitude l'est complètement abolie aux États-Unis. En 1865. Vous pensez ça. Mais si l'est aboli en 1865, je dis, on a toujours gagné esclave. Vous ne connaissez pas ça. Mais oui, toujours gagné esclave. Je ne vais pas montrer ça. Mes amis, sujet ça li long en pile. On pas capable faire un titan, on pas capable parler de sujet ça un seul coup. Li mandé en pile titan pour nous parler de lui parce qu'il gros en pile. Et li important pour qui ça? Parce qu'il pourrait aider en tant que un noir, surtout haïtien. Qui ça pour faire pour ta retirer ou dans système ça? Qui ça pour faire pour transférer de Jean Koyea pour aller dans l'autre système? Avant même comment entrer dans tout bagage ça bon mot m'ta vle chercher là nous gen chance li rele red lining mes amis m'pa konnen la créole et lining rouge li rouge m'pa konnen c'est seulement en anglais m'konnen red lining et même l'en traduit ça le dia il pas fait sens du tout just do it red lining red lining. C'est un bagage qui était créé et dans les années 1930-1940 par Teddy Roosevelt. C'est Franklin D. Roosevelt qui nous toujours les FDR, c'est monsieur qui devine avec système ça. Et système ça les garanties misère noire. Les garanties racisme, les garanties esclaves, les garanties criminalité qu'on a fait aujourd'hui là, les garanties police brutalité, les garanties tout ça ouais qu'a privé aujourd'hui là, c'est système ça qui garantit. Sans pile bagarre n'a pas les deux là, on va même quand t'es dans parce que bah il gros en pile. Premièrement, systémique, racisme, c'est un système que n'est pas un monde. Et le problème, c'est que lorsque nous avons joué police, les gens disent que c'est la police qui est là. Ce n'est pas la police qui est le problème. Les policiers, c'est exécutionneur de système qui est établi pour agir. Vous avez des policiers, toute éducation vous avez. Mais le système n'est pas bâti côté que. Noir, pas jambes et égalité aux États-Unis, pas avant que le système dans lui-même n'ait pas changé. Et donc, voyez ici. Le président, le Sénat et tout l'autre monde qui travaille dans le gouvernement, ce n'est pas un problème. Non. C'est le système non, qui permet qu'il fasse ça. Faire. Et c'est ça qui arrive aussi aux États-Unis aussi. Pour Noir, il y a une situation. Côté que, là, pour l'autre 100 années,
avec en pile loi, changement de loi, des deux systèmes, pour que nous ayons une place li, comme humain aux États-Unis. On nous commence avec l'abolition de l'esclavage, parce que c'est le temps premier. Avant même qu'il devine avec redlining, l'esclavage était aboli en 1865, pendant qu'il était passé loi ça, the 13th Amendment, le 13e amendement. On nous garde pour nous voir ça qu'il dit, mais ça qu'il dit. Il dit comme ça. Neither slavery nor involuntary servitude, except, now, il y a une raison qui fait mettre partie ça en rouge pour vous. Parce qu'il y a une importance là-dedans. Malgré que les États-Unis déclaraient que l'esclavage était aboli, mais pour être capable d'apaiser M. Sayo, songez bien, je dit l'autre jour, il y a 11 États qui ont sécédé de union qui décidait pour te quitter union pour être capable kembe esclavage. Je déclare que yo pape quitter esclave. Yo pape lagué esclave yo voulait gagner esclave. Et c'est ainsi yo détaché yo des États-Unis. Et c'est un gros la guerre civile qui était faite qui te cause plus de 600 000 moun mouri pour que il était capable d'accepter. Et ben, ça a été fait en 1861 et en 1865, il a passé la loi ça. Maintenant, il faut comprendre que la loi ça, n'est pas une loi parfaite, amendement ça. C'est ça qui est un pacifier. Parce que malgré qu'il a aboli la loi, il a aboli l'esclavage, mais il a quitté la donne côté que ou capable mettez moun nan en esclavage encore. Et c'est ça que fait depuis 1865 jusqu'à aujourd'hui, pendant que je parle avec vous là, des milliers de noirs en esclavage ici aux États-Unis, ou on n'a pas jamais connu ça. En nous, l'ipati rouge, la boîte, ça dit. Parce que vous avez un esclavage, ou bien involuntary servitude. Ça veut dire que ou pas pour mon esclavage ni pour faire mon travail sans passer par pas volonté pâle. Except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted. Ça veut dire ou pas supposé être esclave involontaire, mais si mon nan lui-même lui fait un crime, eh bien ou capable utiliser esclavage comme une punition pour mon nom de bill de fin convict. Now, shall exist within the United States. Ça veut dire que malgré qu'il y a aboli, mais au moment où que l'esclave là capable toujours été aux États-Unis, depuis que conditions ça y ont rempli, depuis mon sali même l'été, y a été qu'un bill non bagay, y a condamné lui, mon sac a devenu un esclave. Maintenant, on va parler. À nous parler. Esclave aboli, esclavage est aboli en 1865. Depuis avant 1865, avant 1865, esclave aboli. En 65, il y a une loi ça qui dit que esclave aboli. Maintenant, loi ça a quitté une clause là-dedans, un segment côté que l'esclavage qui toujours était aux États-Unis. Et eh bien, c'est là qu'on joue, nous allons créer un système pour permettre que l'impossible pour jeunes noirs lui-même, il ne pas tomber dans le crime. Et depuis qu'il tombe dans le crime, depuis qu'il arrêté, depuis qu'il est en prison, il automatiquement devenir un esclave. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas moi-même qui fais parole ça. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est ça que nous-mêmes nous vivons. En tant qu'humains, en tant qu'un descendant d'Afrique, habité dans la terre ouest, ça. Côté que. Et. Nous y est là. Mais, les façons qu'à sortir. Il y
de façon qu'à sortir. C'est difficile, mais de façon qu'à sortir. FDA, qui c'est Franklin D. Roosevelt, il crée un bagage qui est le redlining. Redlining, qu'est-ce qu'il fait? Il divise le pays, il divise chaque zone. Côté noir, si vous héritez, côté blanc, si vous héritez. Redlining, il affecte plusieurs bagailles dans la vie, nous. Que nous n'avons pas jamais pensé de ça. En pile bagaille. Il affecte la richesse, nous. Il affecte l'éducation, nous. Il affecte la justice, le système dans le pays. Criminal justice, surtout. Dans le pays. Police, yo. Juge, yo. Il affecte. Now, songez, ma faute est un bac pour garder amendement. Il dit comme ça que l'esclavage est aboli, except si aucun bon n'a un crime pour condamner. Now, je me pose une question. Qui peuple qui plus dans l'esclavage ou bien qui peuple qui plus arrêté qui est en prison ici aux États-Unis? Think. It's not blanc. I can't help you with that. C'est noir que lié. Elle dit que nous pouvons créer un système. Nous pas créer une série de conditions que limiter impossible pour que jeune noir, si tout garçon en lui-même, pour ne pas tomber dans le crime. Par exemple, yo criminaliser marijuana use. Jeune dans lui-même, li prend pour les anti marijuana dans la poche li. Yo condamné là dans prison. Et lorsque là dans prison, il s'esclave. Mais pour ça capable fait. Nous pas créer redlining. Qui ça redlining là? Comme tu dis nous, il divise qui côté noir qui habite et qui côté blanc qui habite. Na ou pas dire moi ça va abolir noir qui habite n'importe de quel vle. Blanc qui habite non c'est pas vrai. You just don't have no idea. Ou pas une idée. Ou pas capable. C'est la comme ça qu'il fait. C'est un système qui est bien déterminé, c'est un système qui est bien bâti, qui est bien contrôlé et il le fait. Il fait en façon côté que il exécute tout but qu'il dit nous exécuter. Par exemple, on va calculer le FHA. FHA, c'est le Washington Kai. C'est une compagnie qui garantit l'on ou bien l'argent qui est prêté tout là. FHA fait partie de la bagaille de la NINSA. Côté que les étapes composées, ils font comprendre que vous êtes capable de faire n'importe l'on à n'importe monde qui l'achète en Kai. Et nous garantissons que les gens qui achètent là, s'ils ne payent pas, ils payent au bac. C'est garanti, effectivement. Except si les gens noirs, si les gens habitent dans une zone côté de choisir. Les gens font redlining, ils divisent en deux parties. La partie rouge, c'est côté que, ou pas devant les gens, c'est loué pour loué. Ou pas capable de l'on. Et. Parti qui vert yo, c'est côté blanc yo rete. Maintenant, redlining pour affecter toute bagaille qui dans vie. Every single thing that you do every single day will be affected with this idea of redlining. Of redlining. Now, dans la partie côté noir, tout le cas qui est dans la zone, il a automatiquement perdu 25% de valeur. Automatiquement. Comparément à un cas qui est dans la partie green côté blanc. Il a dit là pendant que je parle. Quand on a essayé de cartier, il a fait un cas qui est belle, plus belle parce qu'un cas qui est dans la zone blanc. Mais il a fait un cas qui est redlining, dans la zone qui est rouge. La. L'île rouge, n'est pas capable de dire en créole. Et bien, quand ça a automatiquement perdu 25% de valeur. Maintenant, on nous pense comment il affecte l'éducation, l'économie et la criminelle justice. Premièrement, l'école dans chaque zone, l'argent que vous recevez pour l'éducation dans chaque zone, c'est l'argent qui sortit
dans la propriété taxe, dans la taxe que nous payons sous CAI et sous l'autre bagarre qui nous fait dans la zone. A pas dit que, ça veut dire que le gouvernement pas parler dans l'autre zone pour aller prendre l'argent pour venir bâtir l'école ou bien venir bâtir les ressources dans la zone, on sait des zones. Non. C'est ça qui fait dans la zone. C'est les ressources que la zone a produit, c'est lui-même qui utilise pour payer l'école. C'est ça qui fait que aux États-Unis, sous habiter dans un zip code, ou pas qu'à prendre mon nom pour aller mettre l'école dans l'autre zip code. Gon section côté que yo ba ou, c'est celle section ça yo capable voyer dans l'école. Ça lui dit côté cohabiter a. Il y a raison pour lui. Parce qu'il fait partie de système ça qui relé redlining. Il est illégal pour être dans zip code 33324 pour aller voyer dans l'autre zone qui pas rien rapport avec zone ça, ou pas qu'à faire. Et si yo ta connaît, il y a fine you for that. Il y a expel ti moun dans l'école là. Parce qu'on pas supposé faire ça. On doit supposé respecter section côté qui habite. Ça veut dire puisque dans zone qui habite là, il n'a pas ti rouge là. Kayo yo substandards. Yo pas bon kay, yo pas gen bon valeur. Taxe que recevoir là, on va pas pile l'argent. Je sais risk house for FHA, c'est pas facile, il y a bon loan pour eux-mêmes. Il y a crasé, il y a dégringolé. L'école yo ko pa gagner tout sous c'est l'école mon faible qui yo. L'école qui pa gagner bon professeur parce que pa gasser l'argent pour payer yo, pa gagner bon professeur qui après dans zone parce que c'est ti comme qui va toucher yo, il pas assis ou pas de l'autre côté puis toucher pour l'argent. Ça veut dire que redlining pour affecter toute bagaille qui dans zone ça. Ou on a été dans zone ça. Et puis dans deux zip code l'autre bord où est mon a bambilé, ti moun a pa l'école en forme et puis zone ça où est dit pauvre. Ti moun imbécile, ti moun sans éducation qu'on a créé dans même pays. Ça c'est système ça qui là aujourd'hui là. Maintenant, parler trop long, on va le fermer, on arrête dans l'autre segment qu'on va faire après. Mais puis demain si Dieu veut l'autre semaine. Maintenant, mes amis, si vous comprenez le système ça m'a parlé là, qui est écrit dans la Constitution du pays, eh bien, c'est ça qu'il faut que la police a arrêté tout noir ça comme ça. Maintenant, si vous allez demander à la police, est-ce que c'est vrai, l'abdou, non, c'est pas vrai. Il va jamais dire que c'est vrai. C'est peut-être qu'il va connaître. Il va me connaître peut-être ce que je dis là. Et c'est peut-être tout le cas qu'on est. Il ne peut jamais admettre si c'est là que lié. Mon l'autre bain m'oubaldou, nous allons même toucher le sujet. Mais quand même, bon, on petit bagaille pour goûter. Nous allons venir l'autre l'un ou l'autre jour pour nous parler de ça, parce que c'est l'empile. Mon bain m'oubaldou tout le monde. Ça m'oubaldou, c'est pour un conseil que m'a donné pour nous faire. Mais quand même, son bain qui me pense depuis longtemps. De même qu'on a étudié. Aux États-Unis, travail qu'on recevoir, bon travail ou l'école qu'on aller, il dépend de qui est-ce qu'on est sur un blanc ou un noir. Et pas tout l'école qui a accepté parce que c'est noir. Et pas tout travail qui a pris parce que c'est noir. Ou bien c'est haïtien. Et ça fait que je vous dis aux parents, non, qui vous baille petit tout. Il a pile signification et il est capable bâti mon en pile chance dans la vie et c'est comme ça tout capable on pierre d'achoppement dans route timon bon don bagaille parce que on compte toujours à mettre application parce que l'on besoin d'emploi pour travailler dans compagnie on toujours mettre application pour monde vini et on toujours travaille avec l'autre managers qui a hire l'autre monde tout. Il est capable de moins well, moins witness li, moins fait tout le temps. Premier bagage que le besoin regarder c'est non moun nan. Qui sont moun non moun nan gagne. Moi respecter culture. Moi respecter ça moun kwa la dan sa le fait, pas un problème, moi respecter ça. Et ça fait tout de connia là, pas bon conseil que ça pour faire. Mais seulement m'dou non ko bay petit tout. Si tout dans système ça que nous est là. Non, ça a déterminé
est-ce que Timoun sa gagne une chance ou pas gagne? Parce que premier bagage qui regarde dans non, c'est non monde. Si non monde sa gagne on son noir, on son minorité, on son haïtien, il y a plus de chance que vous pas prêt les monde ça pour interview. Ça dépend qui travaille là. Conseil de travail, il va qu'il n'y a pas de monde pour appliquer au barreau. Mais conseil de position, vous mettez quoi même ça me là. Avant au barreau, il regarde non, il regarde son nom puis ouais. Qui laisse monde ça assembler que lié. Donc, je seulement dis ça. Sous les soins enceintes, là, on va faire un petit monde prochain, non, pour lui. Qu'est-ce qu'on a fait? Il va manquer de faire ce système-là pour s'allier. On a essayé pour nous arriver, pour nous sortir. L'autre semaine, tu vas venir là. Je vais voir comment on est capable de continuer à déchiffrer pour vous systémique racism. Nous allons parler plus de 13 amendements. Redlining, qui est-ce qui l'affecte économiquement, éducationnellement et la justice dans le même côté. Ou va qu'on est qui gens qui ou même qu'on y a là ou capable faire pour sortir ou on n'a pas acheter caille ou on a son monde qui travaille ou petit cob ou te cache ton caille ou lâche ton caille tel côté moi pas capable parce que ou pas quitter acheter ou pas connait ça non parce que y a un plan qui permet que l'impossible pour acheter caille là dans zone là ou pas mettre les timon sur de l'école parce que l'école ça eux pas fait partie de côté courir zip code li dans red section timon doit aller l'école pauvre là mais qui sont capable pour sortir. On a fait ça capable pour nous essayer d'éduquer. Tant comme dit nous, HPM travail nous c'est éduquer. Vous c'est peuple nous voyez. Nous t'es venu ici, nous parti, nous étudier, n'a pas nous essayer de bagaille. Devoir nous c'est séparer avec nous-mêmes ça qu'on connaît. Peut-être une dans nous capable font un changement. Et mandez nous prier pour faire nous le Scott. Afin que Dieu soit capable d'aider pour finir. C'est une grande pile de choses pour me faire. Je commence à employer des gens pour HPM. Nous avons des jeunes qui ont essayé pour nouvelles surtout, parce que nouvelles chaque jour, des choses qui passent en Haïti, qui passent ici, des gens qui sont morts. Monsieur, ça capable de prendre sur des choses. Nous-mêmes, nous avons focus sur plus, on sait des choses qui sont plus avancées. Et nous disons merci pour le support. Nous apprécions les gens qui supportent HPM et nous prions autant pour partager. Show yo avec moun ki table konnen on se di bagay. Dan men ki tout moun konnen bagay sa yo. Nan mwen si Abner Gelin. HPM Haitian Public Media. Passez une bonne journée. Bye bye.